Bonjour tout le monde, je m'appelle Raoul. Je m'appelle Laura. Je suis artiste du cirque, acrobate et ton coach. J'étais soliste au Cirque du Soleil. Mes passages à la télé allemande, française, espagnole dépassent aujourd'hui les 10 millions de visualisations sur YouTube. C'est énorme. J'ai déjà donné des cours dans le monde entier. Préparation physique, acrobatie, handstands. Et j'ai envie de partager avec vous maintenant les conseils qui m'ont aidé à progresser dans ma carrière d'équilibriste. Et en plus, de réaliser un grand rêve que j'avais depuis petit. Être soliste au Cirque du Soleil. Oui, j'ai réalisé mon grand rêve. J'ai été soliste au Cirque du Soleil en exécutant un numéro d'équilibre sur chaise. 9 mètres d'hauteur. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont envie de démarrer, qui ont envie de débuter, mais ils sont bloqués par la peur. Alors, pour cette première vidéo, nous allons casser, détruire, démolir quelques limites concernant les headstands, équilibre sur la tête, les handstands, équilibre sur les mains, et la pratique sportive. Je n'ai pas assez de force dans les mains. Je pense que c'est normal pour l'instant. Si tu ne travailles pas la force dans tes bras, c'est normal qu'il n'y ait pas encore la force dans les bras. Mais, bonne nouvelle, on a la solution. Avec du travail, investissement personnel, je suis sûr qu'on va combler la force dans tes bras. J'ai trop peur de me mettre à l'envers. Notre corps n'est pas fait pour se mettre à l'envers. C'est normal d'avoir peur. Attention, figure-toi, même chez les professionnels, il existe aussi la peur. Moi, j'ai peur de faire certains exercices. C'est vraiment normal. Alors, il existe seulement une façon de gagner ta peur, la confronter. Allez, on confronte la peur. Je suis trop lourde. Notre corps s'adapte à nos envies et besoins. J'ai déjà vu des élèves qui étaient en surpoids, mais avec le travail et la volonté, ils ont réussi à s'équilibrer sur eux-mêmes. J'ai mal à la tête. Tout à fait normal aussi. Le mal de tête est commun quand on commence à travailler régulièrement. Alors, si ce n'est pas une douleur insupportable, genre je veux mourir, ça me prend mal. Si ce n'est pas une douleur comme ça, je propose une chose. Allez, on va pousser juste un petit peu plus de limites. Je suis sûr que tu vas te surprendre de tes capacités. J'ai peur de tomber. Alors, depuis petit, nous avons tous cette peur. Tous. La question, c'est pas éviter la chute, mais savoir comment chuter. Attention. Tu vas apprendre aussi maintenant à tomber sans se faire mal. Je te dis attention. Je n'arrive pas à rester sur les mains. Si tu n'as pas encore commencé à travailler, comment cela c'est possible? Si tu n'as pas, tu n'as même pas commencé à travailler. Alors, écoute, moi je vais te donner, okay, je vais te donner le chemin pour réussir. Je vais te donner le chemin pour y aller. Pour tout déchirer. Mais il y a un mais. Tout dans la vie a un mais. Malgré toute ma volonté, j'ai déjà réalisé beaucoup de progrès, j'ai déjà aidé beaucoup de gens. Mais. Je m'appelle pas Sandro. Concernant l'équilibre sur la tête, les headstands, j'entends souvent. Alors, il suffit. Un bon échauffement et des répétitions conscientes pour ne plus avoir mal. C'est bon ça? En petit dernier conseil, peu importe le cours, peu importe le professeur, peu importe la méthode, si toi, tu n'es pas prêt à t'investir, si tu n'es pas prêt à se donner le moyen, rien ne va se passer. Il n'existe pas de miracle dans le monde du sport. Il existe l'investissement. Avant de s'amuser, il existe l'investissement, la transpiration, l'investissement personnel. Voilà, c'est comme ça. Je n'invente pas les règles. Les choses sont comme elles sont. Alors, si toi, ok, tu n'es pas prêt ou prête à continuer, à y aller, à s'y donner, donc je demande, ok, gentiment, que tu arrêtes de visionner cette vidéo maintenant. Et on finit en bon terme, ok? On finit copain, on finit pote. Je préfère comme ça. On finit pote. Tu es là encore, ça veut dire que cette formation, ces cours t'intéressent. Il est intéressé, hein? Elle aussi. Ils sont intéressés. Alors c'est très simple, je vous expliquerai comment ça fonctionne les choses. Un cours privé de handstand de préparation physique avec moi coûte environ 120 € pour 1h15 de cours, ok? Un cours privé.
Moi, je veux toucher le maximum de personnes dans la planète entière. Je veux faire réellement les gens bouger. J'aurais pu faire ces cours gratuits, mais je ne veux pas faire ça. Je veux que vous investissiez en vous-même. Donc, j'ai pris une décision. Chaque vidéo de cette formation, chaque cours, ça va coûter 5 euros. 5 euros, c'est rien. 5 euros. C'est pas cher, Franchement les amis, je ne pourrais pas faire mieux. Cette formation est constituée de 2 vidéos d'échauffement, 2 vidéos de souplesse, 1 vidéo de comment tomber sans se faire mal, 2 vidéos de headstands, équilibre sur la tête, et 2 vidéos de handstands, équilibre sur les mains. Attention, sur toutes les vidéos, il y aura une partie préparation physique et abdominale. Les amis, eh oui, la préparation physique. Attention, je vous donne le secret des acrobaties. Ils n'ont rien payé, ils ont déjà gagné le secret de l'acrobatie. Le secret pour réussir à faire une acrobatie, pour exécuter bien l'acrobatie, c'est la préparation physique. Eh oui, les amis, eh oui, ah, c'est bon ça, c'est bon. La question est, êtes-vous prêt dès maintenant ou vous allez abandonner dès maintenant? Pour avoir accès à tous les cours, c'est très simple. Ici en bas, ok, sur la description de cette vidéo, il y a un lien qui va vous diriger vers mon site internet. Là-bas, vous avez la possibilité de payer par carte bancaire. Attention, seulement par carte bancaire. Quelques secondes après, vous allez recevoir une confirmation de paiement. Juste quelques minutes après, vous allez recevoir le link, le lien qui va vous donner accès au cours complet. Je t'attends motivé, mais attention, si toi, tu veux vraiment faire partie de ma team old school, rappelle-toi toujours de 3 choses. 1. Jamais arrêter. 2. Jamais partir. 3. Jamais abandonner. Je t'attends pour le premier cours.